pousser maximum. Stop. Il n'approche pas plus. Il est approché, voilà, mais pas plus. Parce que c'est très dangereux. Oui, c'est toujours des animaux, c'est dangereux. Faut faire attention. Mettez-vous accroupis les enfants pour bien permettre à ceux qui sont derrière de voir. Les hommes peuvent voir derrière. Accroupis. Tu peux te mettre même à genoux si tu veux pour pas tomber. Tu vois bien, Élise ? On est mieux ici que là-haut avec les bâches. On était beaucoup d'adultes, et ben c'est tout à fait différent. Mais on les a vus de tout près. Là, c'est la bouche. Déjà, ils ont un petit peu peur. Elena, chut, Elena. Alors, vous avez vu que... Si tu cries, tu leur fais peur. Je ne sais pas si c'était beaucoup de brumes. Là. Des bélières, vous avez beaucoup de... C'est des béliers, Nina. J'ai une brebis. La brebis, elle a l'air d'avoir un peu peur. Hein. Elle n'a pas l'air d'être très à l'aise, là. Ils sont stressés, les miens. Ah non, ce pas les miens. Les miens, je les ai aussi. Ils sont partis avec le groupe, là, je ne sais pas où. Et ceux-là, ils s'étaient échappés. Ils ont été rattrapés par des collègues. Et donc, je leur ai proposé que j'allais... Il y en a plusieurs qui sont échappés. Il en reste encore d'autres. Oui, et alors, je leur ai dit... Ben, ça c'est mal. Thank you.
C'était pas prévu. C'était pas prévu. Quelquefois, il y a des improvisations, ça veut dire. Alors là, c'est la. Là, vous avez deux béliers. Deux béliers. Là, vous avez une brebis. Les deux béliers sont les béliers d'une race qui est surtout localisée au Pays Basque. La race laitière qui est surtout utilisée pour la fabrication des fromages du Pays Basque. L'osso irate. Et là, vous avez une brebis d'origine localisée surtout principalement en Languedoc-Roussillon, dont une race. Mais c'est général, même ailleurs, il n'y a pas que d'un pied. C'est ça. Regardez cet attroupement là-bas. Il y a des vaches en haut. Il y en a en bas. Il y en a en bas. Je ne peux pas vous dire puisque moi je suis positionné là. Et vous êtes consigné. C'est consigné là, voilà. Pour éviter qu'on fasse des bêtises. Plus de succès que tu. Mais je sais pas. Ah, ils ont du succès aussi, hein, avec les vaches comme sur l'Aubrac, là, avec les. Ah ouais. Avec les branches fleuries. Tu l'as laissé. Merci en tout cas d'être venu. On est venu à Paris, alors. Tant que faire. On est venu pour des copains. Ça a du succès. Qu'est-ce que c'est votre nom? Mon nom? Oh, bonjour. La ferme. Là? Ouais. Mais c'est pas la ferme, ça. C'est le salon? C'est voilà. C'est un transporteur qui a amené des animaux qui sont présents au salon de l'agriculture à la porte de Versailles. Juste quelques échantillons pour que les Parisiens puissent les rencontrer, ces animaux-là, ailleurs qu'à la porte de Versailles. Parce que tout le monde ne va pas à la porte de Versailles. Là, vous venez d'où, monsieur? C'est là, ils viennent d'où? C'est une Languedoc-Roussillon. Je vous donne plutôt des identités régionales. Oui, bien sûr. Pays Basque. C'est ma chaîne, ça se trouve, c'est la même chose. Pays Basque. Des béliers. Et oui. C'est la laine. Ils doivent être un peu dépaysés quand même. C'est vrai que c'est pas leur élément. C'est pas leur élément. Ils sont pas stressés quand même. Ce bruit surtout. Et est-ce qu'il y a d'autres animaux que vous avez amenés? Ah oui, il y a d'autres races de brebis et de bovins et de caprins. Et vous savez où sont-ils? Là-bas, oui, il y a un attroupement, je ne sais pas s'il y a encore, vous voyez. Là-bas, vous en verrez. Parce que si vous voulez, tout à l'heure, les animaux ont été descendus du camion, ont été parqués là. Ah ouais. Et puis, il y a des animaux qui se sont échappés. Ah, d'accord. Comme vous voulez, il n'y avait pas suffisamment. Il n'y avait pas suffisamment de monde. Ah, de monde. Eh bien oui, c'est ça, on est chacun de sac. Pour les. Tu as vu ça? Voilà, on a réussi à rattraper cela. C'est pour ça que je suis là pour les. Pour les garder. Je suis dans un rôle de gardien. On va aller voir les autres. Alors je suis moi-même éleveur, j'ai des animaux, mais ils font partie de ceux qui sont échappés. Et à partir de demain, vous êtes à la foire de Paris? Au salon de l'agriculture. Au salon de l'agriculture. À partir de ce soir. Ce soir. Ah oui, parce que là, ils vont remonter dans le camion et puis ils vont aller rejoindre leurs collègues qui sont. Vous avez trouvé les autres parce qu'ils parlent. J'espère rien aller où temps. Voilà, voilà. Ça, c'est le mal, tu vois. Mais à votre avis, suis-je stressé? Pardon, madame.
Moi, je peux vous dire que il y en a trois ici. Voilà. Les autres sont ici. Vous voyez ça. Voyez, ça prouve que c'est. Allez, c'est bien en fait. Je me suis impressionné. C'est vraiment de l'improvisation. C'était pas calculé comme ça.